Une fois de plus, soyez les bienvenus. Après 48 jours d'absence, le président Paul Biya et son épouse Chantal Biya sont revenus au Cameroun, accueillis par une foule enthousiaste. Malgré les spéculations sur son état de santé, le chef de l'État a démontré sa vitalité en communion avec son peuple à son arrivée. C'est un reportage d'Idriss Yaka. C'est à 17h que l'avion du président Paul Biya et de son épouse a foulé le tarmac de l'aéroport international de Simalène. Parti du Cameroun le 2 septembre 2024 à l'invitation du président chinois Xi Jinping pour participer au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine à Pékin, le couple présidentiel avait choisi de prolonger son séjour en Europe après son passage en Asie. Après 48 jours d'absence, Paul et Chantal Biya sont de retour au Bercail. De nombreuses délégations du Rassemblement démocratique du peuple camerounais étaient présentes pour accueillir le président et son épouse. Ceci en réponse aux multiples rumeurs concernant l'état de santé de Paul Biya. Pourtant, à sa descente d'avion, il a prouvé sa pleine forme en échangeant avec le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun. Certaines voix mal intentionnées sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels avaient prétendu que le chef de l'État ne pouvait se tenir debout, tandis que d'autres allaient jusqu'à affirmer qu'il était passé de vie à trépas. Cependant, après son arrivée, nous avons pu observer un président serein, communiant et partageant des moments chaleureux avec un public venu en masse. Cela témoigne clairement que le Cameroun est dirigé par un homme qui a été publicité lors des élections en octobre 2018 avec un score de 71,28% des suffrages exprimés. Les habitants de Yaoundé ont envahi les artères de la capitale politique pour accueillir le président avec une joie manifeste et un enthousiasme débordant. Paul et Chantal Biya sont de retour à la maison. Les spéculations prennent fin et la priorité est désormais à l'action. Nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite, le Cameroun se mobilise pour un autre tour avec pour objectif d'atteindre plus de 6 millions d'enfants. Cette initiative s'inscrit dans un effort régional pour éradiquer cette maladie invalidante. Plus de détails dans ce reportage effectué par la Grâce Banem. En réponse à la détection de 2 cas de poliomyélite dans l'est du pays, les autorités camerounaises ont annoncé une campagne de vaccination nationale qui se déroulera du 24 au 27 octobre 2024. Lors d'un briefing national tenu à Yaoundé le vendredi 18 octobre, des détails de cette initiative ont été dévoilés. Plusieurs acteurs, y compris des partenaires internationaux, des responsables sanitaires et des ONG, participent activement à l'organisation et à la mise en œuvre de cette campagne importante. L'objectif de ce premier tour est d'immuniser 6 721 142 enfants à travers tout le pays, mais la couverture vaccinale actuelle demeure insuffisante, représentant ainsi un risque sérieux pour la santé publique. La sensibilisation auprès des communautés commencera dès le 21 octobre et par une stratégie de communication bien définie. Cette campagne de vaccination s'inscrit également dans un effort régional synchronisé avec des initiatives similaires au Nigeria et au Niger. Vous regardez le journal sur Carrefour Télévision. Allons au Tchad où les choses se mettent en place pour les législatives de décembre 2024. Après de nombreuses rumeurs de report, l'Agence nationale des élections a annoncé le début des dépôts de candidatures pour le 19 octobre prochain, conformément à son chronogramme. Les candidats ont donc jusqu'au 28 octobre, soit 7 jours restants, pour se mettre en règle. Reportage. Pas de report pour les élections législatives et locales au Tchad. Le 29 décembre reste maintenu pour ces échéances. L'Agence nationale des élections a décidé de respecter son chronogramme bien établi. Il est donc important que chaque acteur politique respecte les délais afin de garantir une compétition équitable. Il me plaît de rappeler aux partis politiques et regroupements des partis politiques que la participation aux élections exige le respect des critères fixés par la loi. Aussi, les candidats et candidates doivent-ils prendre toutes les dispositions pour satisfaire ces critères qui sont éliminatoires. L'ange qui est esclave de la loi électorale est tenu d'appliquer toutes les dispositions légales.
C'est ce 19 octobre que l'annonce a été faite, que nul n'en ignore car cette date marque le début des dépôts de dossiers pour les candidats. Quelques jours plus tôt, le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra en avait demandé un renvoi en 2025 de ce scrutin. Beaucoup d'autres partis s'attendaient à un report de ces scrutins, mais le président Mahamat Idriss Déby Itno a finalement convoqué les chefs des partis politiques pour leur annoncer le maintien des élections législatives et locales. Il a également appelé à l'unité nationale et au renforcement de la démocratie pour être sûr d'avoir des élections sans anicroche. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a salué l'amélioration de la situation sécuritaire générale dans le pays. C'était au cours de la dernière réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue le 17 octobre 2024 au palais de la présidence de la République. Les points forts de cette rencontre, c'est dans ce reportage que nous livre Michel Zili. Le mouvement de grève en Côte d'Ivoire a été initié depuis le 15 octobre 2024 pour une durée de 72 heures par certains syndicats de l'enseignement public, des affaires sociales et du secteur de la santé, en guise de réclamation, le versement des primes trimestrielles. Oh, cette grève est arrivée après des discussions que nous avons menées pendant 2 ans qui ont échoué. Alors nous avons plusieurs revendications, mais la principale, c'est l'octroi d'une prime trimestrielle d'incitation aux enseignants de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, au lieu de donner une réponse idoine, l'État fait de la répression, l'État menace de toutes parts de suspendre des salaires, de faire des ponctions démesurées, de privation de services. Dans les établissements publics comme le lycée moderne de Cocody, les élèves s'amusent dans la cour après avoir constaté l'absence de leurs professeurs. Les plus studieux décident de rentrer chez eux. Le ministre porte-parole du gouvernement affirme que cette interruption n'a pas lieu d'être du fait d'une trêve sociale qui avait été conclue pour 5 ans jusqu'en 2027. Cette grève, elle est non seulement illégale, elle est injustifiée. Les discussions ont débuté ce 17 octobre entre les partenaires sociaux et le gouvernement au sein du comité consultatif qui a démarré avec à l'ordre du jour la question des primes. En attendant, à Abidjan, certains collèges et lycées du secteur public tournent au ralenti. Mesdames et messieurs, vous venez de regarder ce reportage qui porte sur la grève des enseignants. On revient sur le précédent qui porte simplement sur la Côte d'Ivoire où le président Alassane Ouattara félicite l'amélioration du secteur économique dans le pays avec Michel Zili. La situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire a connu une nette amélioration sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion du Conseil national de sécurité qui s'est tenue le 17 octobre 2024 au palais de la présidence de la République sous la présidence du président Alassane Ouattara. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,5 en juin 2024 à 1,2 au mois de septembre de la même année, soit une baisse de 20%. Pour le président ivoirien, il est nul doute que ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans le pays par les forces de défense et de sécurité. Des opérations qui ont permis la saisie de diverses drogues, la destruction de nombreux matériels liés à la pratique de l'orpaillage illégal, l'interpellation de plus de 600 individus impliqués dans des actes illégaux tels que la consommation de stupéfiants, la cybercriminalité et le non-respect du code de la route. Le Conseil national de sécurité note également une satisfaction des résultats probants de la mise en application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu universitaire. Des mesures qui font suite à l'assassinat de 2 étudiants membres de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire par des individus identifiés comme étant également membres de cette fédération. Au terme de la réunion, le chef de l'État, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à l'ensemble des ministres et acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité du pays.
Mesdames et messieurs, vous écoutez, vous regardez le journal sur Carrefour Télévision. On poursuit simplement avec cette autre information qui nous amène du côté du Kenya, du Nigeria plutôt. Quelques militants du mouvement End-SARS arrêtés ce week-end et relâchés par la police. Dans leur manifestation, ils dénoncent les violences policières. Saïdou Al-Abdou. Une vingtaine de manifestants arrêtés dimanche à Lagos ont été relâchés par la police nigérienne. Ces militants du mouvement hashtag #EndSARS rendaient hommage aux victimes d'une manifestation contre les violences policières en 2020. La police a dispersé les manifestants qui s'étaient réunis dimanche vers 8h30 pour honorer la mémoire des victimes de ces manifestations meurtrières. Il y a 4 ans, des milliers de personnes s'étaient mobilisées contre les exactions de la SARS, une unité anti-braquage dissoute depuis, accusée de violence. D'après un rapport d'Amnesty International, au moins 12 manifestants ont été abattus dans des attaques au péage de Lekki par les forces de l'ordre nigériennes. Dimanche, les manifestants ont été bloqués au péage et plusieurs militants, dont l'organisateur de la commémoration, ont été arrêtés par la police. Dans ce pays, 800 000 personnes ont subi simplement des produits alimentaires qui ont été revus à la hausse. Alors, c'est une situation qui compromet la capacité pour le pays dans sa sécurité alimentaire. Michel Zili. En proie aux inondations, cette année, le Nigeria a enregistré des pertes considérables sur le plan agricole. Le 17 octobre, lors d'un événement organisé à Abuja, dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation, un constat alarmant a été fait. En effet, selon les dernières estimations faites par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, en abrégé FAO, le géant d'Afrique de l'Ouest a enregistré cette année environ 855 629 tonnes de pertes alimentaires à cause des inondations occasionnées par de fortes précipitations qui se sont abattues sur le pays dès le mois de juin. L'organisme onusien va plus loin et indique que ces pertes alimentaires associées aux inondations auraient pu nourrir 8,5 millions de personnes sur une période de 6 mois. De quoi susciter l'inquiétude des autorités dans un pays où 31,8 millions de personnes sont encore en proie à l'insécurité alimentaire. Évidemment, nous atterrissons au Kenya où Ice Mobility, une start-up kenyane cofondée par Daniel Gurula, s'attaque aux défis de transport auxquels sont confrontées les personnes du pays. Nous, c'est un reportage ici signé par Atu Sedik Mboudjo. Startup Ace Mobility tackles transport challenges for people with disabilities. Co-founded by Daniel Gatura, who witnessed his wheelchair-bound father struggle with transportation, Ace Mobility aims to provide safe and reliable transport for people with disabilities. While using public transport, they are not adapted for needs of persons with disabilities and especially wheelchair users. So what happens? Because it's regular seats and your wheelchair cannot fit inside, they even have stairs, so someone has to lift you and put you in the chairs, which is, I mean, none of us wants to be lifted publicly like that. The company recognizes the systematic barrier disabled individuals face, such as inaccessible public transport and social discrimination. Ace Mobility aims to bridge the gap, enabling people with disabilities to access education and employment opportunities, ultimately changing the narrative surrounding disabilities. While Kenya's legal framework promotes inclusivity, the reality on the ground often falls short. Ace Mobility is a step toward addressing this disparity, offering a practical solution to enhance the mobility and independence of people with disabilities in Nairobi. La guerre au Soudan a créé plus de victimes dans le pays. Voilà, en créant simplement une guerre dévastatrice. C'est un reportage que nous mène ici Cédric Arthur Moudior, une fois de plus. Sudan is facing a dire humanitarian crisis as a brutal conflict between the Sudanese army and the rapid support forces enters its second year. The ongoing fighting has devastated agricultural production, leaving over 25 million people facing severe hunger. We have set up 6 tekayas in the 6th block of Khartoum. Some of them provide breakfast, while others provide lunch. Each tekaya can provide food for 220 to 250 families, usually rice, millet or beans.
The devastating impact of the war is evident in the struggle of Takia's free kitchen established across Khartoum and surrounding cities. These vital lifelines, which rely on donations and funding from international organizations, are facing severe shortages of resources. The escalating conflict has made it nearly impossible to deliver aid, facing some takias to shut their doors and others to reduce their services drastically. The situation is quite difficult and there is an extreme shortage of food and water. The takias also need more funding as they have run out of money. So are the people here. We have no money or food. Millions of people trapped in the war zone have lost their income, while the cost of basic necessities, including food, has soared. This economic devastation, coupled with the dire lack of food, water, and power, has pushed many families to the brink of starvation. The conflict has ravaged Sudan's agricultural sector, crippling grain production and disrupting supply chains. The resulting food crisis is unprecedented, with a high percent of Sudanese facing severe hunger. Experts warn that the food crisis could escalate into widespread famine, potentially leading to the death of millions if urgent aid is not provided. Du côté de la Zambie, l'accident survenu en 1961 écrivant la mort du secrétaire général des Nations Unies reste un mystère. Malgré son rôle crucial dans la décolonisation et la résolution des conflits, la cause de l'accident lors de sa mission de paix au Congo reste floue. Ample détail, c'est avec Arthur Cédric Moudjo. The 1961 plane crash that claimed the life of UN Secretary General Dag Hammarskjöld remains a significant mystery. The tragedy occurred while he was attempting to negotiate peace in the Congo, and recent assessments suggest that key information related to the crash is being withheld by some member states. The Secretary General has transmitted to the President of the General Assembly the report of the eminent person, former Chief Justice of Tanzania, Mr. Mohamed Chande Uthman, concerning the investigation into the conditions and circumstances resulting in the tragic death of Dag Hammarskjöld and of the members of the party accompanying him. At this juncture, the eminent person assesses it to remain plausible that an external attack or threat was a cause of the crash. The eminent person notes that the alternative hypotheses that appear to remain available are that the crash resulted from sabotage or unintentional human error. The Secretary General notes that the eminent person considers that it is almost certain that specific, crucial, and to date undisclosed information exists in the archives of member states. With significant progress having been made, the Secretary General calls on all of us to renew our resolve and commitment to pursue the full truth of what happened on that fateful night in 1961. A visionary leader and skilled mediator, Swedish diplomat Dag Hammarskjöld strengthened the UN's influence during the turbulent era of decolonization in Africa and Asia, culminating in the successful resolution of the 1956 Suez Crisis. His legacy as UN Secretary General, however, is marred by the mysterious circumstances surrounding his death in 1961, raising questions about the role of various actors and the potential for concealed information that continue to fuel debate and speculation even decades later. Plus loin, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé un plan de mobilisation des ressources additionnelles estimé à 19 milliards de dollars pour réaliser son objectif d'autosuffisance en riz d'ici 2035. Ce projet va se concentrer sur les infrastructures agricoles, la subvention des intrants agricoles et le financement des programmes de formation pour améliorer les pratiques agricoles. Michel Zili. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, annonce un plan de mobilisation de 19 milliards de dollars pour soutenir la réalisation de son objectif d'autosuffisance en riz en Afrique de l'Ouest d'ici 2035. Le bloc régional entend ainsi améliorer une production en riz qui ne couvre actuellement que 60% de la demande intérieure dans un contexte de forte croissance de la consommation liée en grande partie à l'urbanisation croissante. Pour la réalisation de ce projet, l'organisation sous-régionale a élaboré une feuille de route qui prévoit une répartition des fonds avec 14 milliards de dollars
milliards destinés aux dépenses d'investissement en capital et 5 milliards de dollars pour les dépenses d'exploitation. Selon les données de la FAO, les pays d'Afrique de l'Ouest ont produit plus de 22,2 millions de tonnes de riz en 2022 et en ont importé plus de 9,2 millions de tonnes pour combler leur déficit de production. Le Nigeria est le premier pays producteur de riz, mais aussi le premier importateur. Il est suivi par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ces trois pays, entre 2020 et 2022, ont importé en moyenne 9,3 millions de tonnes de riz par an. Du côté de l'Europe, la France se positionne une fois de plus comme un acteur incontournable dans la quête de la paix en Ukraine. Lors de sa récente visite à Kiev, Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a confirmé le soutien ferme de la France au plan ukrainien pour mettre fin au conflit qui ravage la région depuis 2 ans et demi. C'est avec Olivier Blanchard et Coca. Ce plan, dévoilé par le président Volodymyr Zelensky, vise à forcer la Russie à la table des négociations, mais il semble bien que la clé du succès réside dans un élément encore controversé, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Si l'Occident reste divisé sur cette question, la France, quant à elle, prend position. Paris, qui forme actuellement une nouvelle brigade de soldats ukrainiens, pourrait bien influencer ce débat en insistant pour un changement stratégique. Emmanuel Macron, président français, plaide pour un soutien accru en armement longue portée afin de permettre à Kiev de frapper directement en territoire russe. Ce tournant semble être mis en exergue dans le but de redéfinir l'équilibre des forces sur le front. Mais au-delà de la dimension militaire, un autre signe de rapprochement entre les deux nations a marqué ce week-end. Un échange de prisonniers négocié sous l'égide des Émirats Arabes Unis. Parmi les 95 Ukrainiens libérés figuraient 34 défenseurs de la Syrie d'Azovstal. Ces héros dont la résistance symbolise la lutte contre l'envahisseur russe. Alors que l'Europe observe de près, la France montre qu'elle n'est pas seulement un allié de l'Ukraine, mais un architecte potentiel de la paix. Cette approche pragmatique reflète la volonté de la France de jouer un rôle de médiateur sur la scène internationale tout en tenant compte des réalités géopolitiques. Cependant, cette quête de paix ne se fait pas sans défi. Les tensions avec la Russie et les divergences au sein même de l'Union européenne sur la manière d'aborder la crise complexifient la position de la France. En Italie, la rétention des migrants envoyés en Albanie est invalidée par le tribunal. C'est ce qui ressort de l'analyse menée ici par Saïdou Al-Abdou dans cet élément. Un revers pour l'accord promis par Giorgia Meloni, un tribunal italien a annulé la détention dans des centres albanais des 12 premiers demandeurs d'asile que Rome avait transférés cette semaine. Pour cause, ces migrants, originaires du Bangladesh et d'Égypte, ne répondent pas aux critères de détention prévus par l'accord entre Rome et Tirana. Ce que disent les juges, c'est qu'il n'y a pas de pays sûr, donc je communique officiellement que le problème ne se situe pas en Albanie. Le problème est que personne ne pourra jamais plus être rapatrié, que vous ne pouvez pas refouler des gens et que vous ne pouvez pas mettre en place une politique pour défendre vos frontières. Meloni et ses alliés ont présenté cet accord comme un modèle pour l'Europe. Elle en a détaillé les grandes lignes à Bruxelles lors d'une réunion informelle en présence de l'Autriche, la Grèce et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der. La décision des juges du tribunal de Rome constitue ainsi un revers majeur pour le gouvernement italien qui a fait de la lutte contre l'immigration irrégulière un de ses principaux axes politiques. Et pour finir, le sport dans ce journal. Après une absence de 1000 jours depuis son dernier combat en UFC, Francis Ngannou, surnommé de Predator, a fait un retour fracassant en s'imposant par KO au premier round face au Brésilien Renan Ferreira lors de son premier combat dans la Professional Fighters League. Un moment chargé d'émotions dédié à la mémoire de son fils Kobe, tragiquement disparu, Idriss Yaka. Ladies and gentlemen, in the main event of the evening, it comes to a halt officially 3 minutes 32 seconds into round number one. He is the winner by knockout, and now the new PFL Superfights heavyweight
World Champion Francis the Predator. Le 19 octobre dernier à Riyad, en Arabie Saoudite, Francis Ngannou a marqué son retour sur la scène des arts martiaux mixtes en détruisant Renan Ferreira au premier round par TKO. Ce combat était particulièrement symbolique pour Ngannou, qui n'avait pas combattu depuis près de 3 ans après sa dernière apparition dans l'UFC. En à peine 3 minutes, le Camerounais a démontré toute sa puissance et sa technique, devenant ainsi le nouveau champion poids lourd de la Professional Fighter League. Dès le début du combat, les deux combattants se sont livrés à des échanges de low kicks, chacun perdant brièvement l'équilibre. Ngannou a rapidement surpris son adversaire avec une prise de lutte astucieuse, le projectant au sol dans un timing parfait. Bien que Ferreira ait tenté de se défendre avec un arm triangle, Ngannou a su s'en sortir et a rapidement pris l'avantage. Dans une séquence de frappe dévastatrice au sol, Ngannou a asséné des coups puissants au visage de Ferreira qui s'est retrouvé inerte sur le tapis, la tête contre le sol. L'arbitre n'a eu d'autre choix que d'interrompre le combat pour déclarer une victoire par KO en faveur du Camerounais. À 38 ans, Ngannou a réussi à surmonter une période particulièrement difficile marquée par 2 défaites en boxe et la perte tragique de son fils. Après avoir pris un moment pour s'enquérir de la santé de son adversaire, il a été submergé par l'émotion et a pleuré. Son entraîneur Dewey Cooper n'a pas pu contenir ses larmes non plus. Dans ce contexte poignant, Ngannou a dédié sa victoire à son fils Kobe, décédé il y a quelques mois. I don't know. I can't just think about anything than my son Kobe, you know. I only take this fight because of him. I wanted to fight for him. But more than that. And I'm done. So I don't know. I hope they keep remember his name, because without Kobe, we wouldn't be here tonight. I wouldn't have fight. En moins de 3 minutes, Francis Ngannou est devenu le nouveau champion poids lourd de la Professional Fighter League. Cette victoire écrasante est non seulement un triomphe sportif, mais aussi un hommage à son fils Kobe, décédé à l'âge de 15 mois en avril dernier en raison d'une malformation cérébrale. La disparition tragique de Kobe a profondément marqué la vie personnelle et professionnelle du combattant. Ngannou a partagé que les mois suivant ce drame ont été particulièrement éprouvants et que son camp d'entraînement avait été traversé par des émotions intenses. Depuis cette nuit mémorable, des hommages affluent du monde entier en faveur du Camerounais. Parmi eux, l'attaquant français Kylian Mbappé a salué cette victoire impressionnante sur Instagram. Le continent, respect mon frère Francis Ngannou pour Kobe. D'autres personnalités camerounaises ont également partagé leur admiration, comme la chanteuse Lady Ponce qui a simplement écrit « Le Boss » avec en légende une photo du champion. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a également réagi via son compte Facebook en saluant la force et la détermination de Francis Ngannou à rendre également un hommage à Kobe. Le professeur Narcisse Moelle-Ekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, a adressé également ses félicitations à Francis Ngannou pour son combat face au Brésilien Renan Ferreira. Pour Francis Ngannou, ce combat représente ainsi une occasion ultime pour transformer sa douleur en force tout en inscrivant le nom de son fils dans l'histoire du MMA et au-delà. Bravo champion camerounais. Stop et fin pour cette édition d'information.